Chantal, qu'est-ce qu'elle fait là? Salut Chantal! Non mais, on avait rendez-vous à 10h. Il est 9h50. T'es pas prête? Bah non. Faut que tu attends. C'est pas grave, moi je peux attendre, tu sais. Ah, ça te dérange pas? Bah non, ça me dérange pas. Ah bah super! Ah bah attends, je suis mal polie. Attends, excuse-moi, je suis mal polie. Je t'ai même pas demandé ce que tu voulais boire. Un verre d'eau. Un verre d'eau? Pas de soucis. Allez, à dans 10 minutes. Qu'est-ce que ça sent? Oh Chantal! Oui, ça va? Il faut absolument que tu goûtes. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça dans mon jardin. Ils sont à tomber. Ah ouais? Goûte-moi ça. Bah, Chantal! Je comprends pas, j'ai demandé à mon pharmacien, il m'a dit qu'ils étaient mortels. Chantal, un roman, cœur brisé, ça parle de par Edgar, qu'est-ce qui se passe, c'est un petit garçon, ça me retrouve le cœur, il a perdu toute sa famille, et toi, oh mais il faut pas que tu lises le mien alors, hein. Pourquoi, je suis qu'à la deuxième page, le petit canard il a déjà perdu toutes ses plumes. Et à mon avis, il va pas finir le livre. Hein. Ah, le pauvre. Samantha. Samantha, j'ai une idée. Samantha. Samantha. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dirait un quiz spécial cuisinière? Oh oui, génial. Ok. Bonjour à tous, bonjour Chantal, bonjour Samantha. Oui, bonjour madame. Ok, aujourd'hui c'est parti pour le quiz spécial... Cuisinière. C'est parti. Tu as que ça. 1, 2, 3, go. Top Samantha. Quel est le légume? On ne sait pas si c'est vraiment un légume. Il est vert, un peu vert clair, vert foncé. Il a de la peau. On peut manger du couscous avec. C'est super bon, les Marocains adorent ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis. Je suis super impressionnée par ton intelligence, ton talent. Non. Je suis dans mon salon. Je suis sur mon canapé. La réponse, Samantha, la réponse. Je suis blonde, je suis... Non, ça monte ensemble, je suis une courgette! Ah non, ça, Chantal, je te permettrai pas de dire ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une courgette et je ne permettrai jamais personne de te traiter de cette sorte. Allez, vas-y. C'est périmé depuis 4 jours. Oh non. On va changer la date. Hop, une semaine de plus. Parfait. Chantal! Ouais. Finis vite les yaourts, il reste plus qu'une semaine. Je viendrai ajouter quelques dates en plus. Qu'est-ce que je suis contente de faire ce régime avec toi, Samantha. Ça va vraiment nous aider à perdre les 15 kilos. Franchement, oui. On va commencer par le premier repas. C'est parti. Bah, de toute façon, il n'y en aura qu'un seul. Hein. Ah oui, là, c'est le seul repas de la journée. Allez. Hop. Voilà. Allez, bon appétit. Mais... Ah oui, tu t'es fait plaisir. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On avait 15 kilos à perdre. Oui, 13 kilos pour toi, 2 kilos pour moi. Une fourchette.
Chantal, t'as 13 kilos à perdre. T'en as 15. Non, j'en ai 2. C'est toi qui prends les 13. 13 plus 2, ça fait 15. Le petit oreille comme ça, là. Je sais pas si t'as déjà goûté. Tu ne peux pas goûter, Chantal. Tu ne peux pas goûter, Chantal. Moi, je me barre. C'est excellent. Excellent. Il faut absolument que tu goûtes ce gâteau. Prends-en. Voilà. C'est ma grand-mère qui les a fait. Mange, mange. Ma grand-mère, elle me manque. Elle est morte il y a 10 ans. Elle a fait ses derniers gâteaux il y a 10 ans. Comment il n'en reste plus que 4. Bon, allez. Je referme. Je remets dans le placard. Bah quoi, t'aimes pas? Je donnerai aux invités ce soir. Ça te dirait de faire un jeu? Oui, génial, dis-moi. Le ni oui, ni oups. Allez, oui, je veux bien. Perdu! Oups! Bah, reperdu! Bon, t'as pas un autre jeu parce qu'il est un petit peu dur. Le ni oui, ni non. Allez. T'es sûr de vouloir jouer? Avec plaisir. T'as faim? Un peu. Je t'aime. Moi aussi, Chantal. T'es trop mimi. Toi aussi. C'est vrai? Oui. Perdu! Oh non! Reperdu? Oh non! Reperdu! Bon, allez, un autre jeu, allez. Tu connais le ni oui ni oui? Non. T'as compris, c'est bien. T'as faim? Non. Tu veux quelque chose? Non. Ça va aller. Avec plaisir. T'es sûr, hein? Non. T'es pas sûr? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Sauvé par le gong. J'arrive tout de suite. Salut Brice. Salut Samantha, tu vas bien? Non. Oh, ok. Je passais dans le coin et je me suis dit, pourquoi pas venir chez toi? Non. Bon, tu vas au ciné ce soir? Non, non, non. Non. On s'appelle? Non. Non, non. T'es sûr? Non, non. Allez. Elle est forte, hein. Elle est forte, Chantal, hein. Elle m'a envoyé Brice. Allez. Alors ça, c'est fort de ta part. Alors, c'était qui? Arrête de mentir, Chantal. Alors ça, c'était fort de ta part. Envoyer Brice pour qu'il vienne me piéger. T'inquiète pas que je lui ai bien dit non. Je n'ai jamais dit le mot « oh ». J'ai gagné. Il m'a proposé un ciné, non mais... Ça m'a pas un jeu. Dis-moi. Tu veux qu'on joue au jeu des mines? Allez. Ok, ça monte assez simple. Je vais te mimer une tour Eiffel connue. Je vois pas. Enfin, ça monte assez, la tour Eiffel. Connais pas. Attention. Bah, la tour Eiffel. Bah non. C'est toi. Chantal, si on jouait au jeu des mimes. Mais on l'a déjà fait. Oui, mais cette fois avec du cinéma. Bon, bah je veux bien. Si tu veux. Oui. Allez.
un extraterrestre là, le truc comme ça. Ah non mais j'ai pas encore commencé. Oh bah tu l'imites super bien en tout cas. Bon. T'es prête? Alors? Alors je sais pas qui c'est mais tu l'imites super bien franchement, bah, je te demande pas. C'est Matrice 4. Mais le 4 il est pas sorti. Bah, c'est pour ça que tu l'as pas trouvé. Oh, allez. Vas-y. Attention. Alors? Le facteur qui saute toujours deux fois. Eh non. Bah c'est facile. King Kong. King Kong. King Kong. Et si on joue à cache-cache? Allez, si tu veux. Ok, je compte jusqu'à 10. C'est toi qui compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais regarder. Bah, Samantha. Samantha? Samantha, t'es où? Samantha? 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 Samantha, là, c'est plus drôle! Samantha! C'est pas possible, ça. Tu sais où elle est, Samantha? Bon, j'ai pas compris ton jeu là. Il faut que je t'écrive un truc. C'est un jeu, ça s'appelle l'amnésique. Tu m'écris un truc et je dois deviner ce qu'il y avait écrit sur le front. Donc il faut que je te le colle là, voilà, et après tu poses des questions. Voilà. D'accord. Bon, c'est spécial comme jeu. Bah, pourquoi? Parce que j'ai jamais joué à ça. Bah, c'est drôle, moi je trouve. Allez, hop. Donc, il faut que je t'écrive. C'est bon, t'as écrit un truc là? Oui, j'ai écrit un truc. Hop. Je te le colle sur le front. Et là, je te pose des questions. Et là, tu me poses des questions. Ok. Top. Est-ce que je suis une femme ou un homme? Bah, tu es une femme, Chantal? Morte ou vivante? Bah, enfin, tu es vivante quand même. J'ai moins ou plus de 30 ans. Enfin, Chantal, je comprends pas là. On a fêté ton anniversaire le mois dernier. À moi. Hop, un truc. Et je te pose des questions. Est-ce que Michael Jackson, il avait des enfants quand il est mort? Bah, pourquoi? Tu gâches tous mes jeux. Bah pourquoi?